Bonjour, monsieur Berthier. Bonjour, madame. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Installez-vous, je vous en prie. Bien, à nous. Bon, j'ai étudié très attentivement votre dossier, et honnêtement, tout ça n'est pas très bon. Hein. C'est-à-dire ? Écoutez, si je ne m'en tiens qu'aux éléments du dossier, en mars 90, vous êtes informé du danger de certains produits utilisés à l'atelier d'étanchéité des cuves. Et en février 95, le rapport du médecin du travail indique que tous les employés de cet atelier présentent des analyses d'urine inquiétantes. Et l'année suivante, visite du contrôleur de la CRAM, pas d'amélioration constatée. Alors je sais, monsieur Berthier, vous me l'avez dit, le sujet vous préoccupe. Moi, mon souci, c'est que je n'ai absolument rien de tangible dans le dossier qui laisse entendre que vous ayez au moins essayé de régler le problème avec cette histoire de durcisseur. Mais quel problème, mon Dieu ? Les produits en question ne sont pas interdits. On ne les a pas achetés au marché noir, que je sache. Je suis d'accord, monsieur Berthier. Seulement, la loi vous oblige à assurer la sécurité de vos salariés. C'est la loi. Alors, dans votre dossier, j'ai un document concernant les établissements JFI Plast. C'est votre concurrent direct, hein, je crois. Oui. Donc, chez JFI Plast, ils ont conduit, au cours des 6 dernières années, les actions suivantes. Isolement des postes de travail, mise en place d'un programme de formation des salariés et enfin, remplacement de ce fameux durcisseur par un produit beaucoup moins dangereux. Bon, et qu'est-ce que je risque ? Écoutez, c'est assez simple. Il y a contre vous deux actions en faute inexcusables de deux de vos anciens salariés, atteints tous les deux d'un cancer de la vessie. Alors, selon ce que le tribunal retiendra comme préjudice, l'indemnisation sera plus ou moins lourde. Et là, je ne parle pas du pénal. Mais enfin, j'ai jamais voulu qu'ils soient malades, ces gars-là. Mais personne n'a dit ça, monsieur Berthier. Personne n'a dit ça.